papillon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 23 mai. Il est à peu près 19h. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, réception du jour. Une nouvelle expérience que je tente. Donc, j'ai pas ouvert, j'ai juste enlevé l'étiquette où il y avait mon nom, mon prénom, mon adresse. Hein, voilà, données personnelles, on conserve. J'espère que vous ne tomberez pas en cours de route. Je ne vous promets rien. Mais si vous tombez, sachez que je vous rattraperai, bien évidemment. Écoutez, pour la petite histoire. Alors, je me suis inscrite, c'est une box. Je me suis inscrite il y a quelques semaines, voire quelques mois. Il y a un ou deux mois à peu près. Pour la réception de ça, et en fait je l'avais complètement occulté, je savais hein, en faisant l'inscription que j'allais la recevoir fin mai, mais j'ai complètement occulté jusque la semaine dernière où j'ai reçu un message de GLS qui me disait « Nous avons pris en charge votre colis. » Ah bon, Kessako, quel colis? Ça m'était complètement sorti de l'esprit au point où j'avais même pas averti mon mari qu'il y avait un colis qui allait... Voilà, puisque je ne m'en souvenais pas. Voilà. Alors, ça aurait dû arriver le 19, ça ne l'a pas été. Moi, je pensais, du coup, j'ai été sur le site de GLS pour faire une demande pour être livrée le lendemain en me disant « J'espère qu'ils n'ont pas perdu le colis. » Et tout compte fait, j'ai reçu un mail me disant « Votre demande de livraison pour le 20 n'étant pas possible, nous vous livrerons à partir du 23 mai. » Donc, voici, ça ne m'arrangeait pas puisque j'étais pas forcément à la maison. Mais monsieur l'a réceptionné ce midi avec mon fils en revenant d'avoir été le chercher. Donc on va ouvrir, on présente et puis on papote entre deux. Oui, j'ai sorti l'attirail forcément. Comme je vous dis, hein, j'ai rien ouvert. Je voulais découvrir ça avec vous. C'est la première fois que je m'abonne à une box. Et qui plus est, une box comme ça. Donc c'est pas du diamond painting, ça n'est pas du tout ça, on est dans un autre domaine de mes loisirs, mais je trouvais l'idée sympa et je voulais tester. La boîte est grosse. Donc voilà le colis, ma bozole, la box des puzzleurs. Et on va, alors je vais le sortir, je vais essayer de ne pas l'abîmer. En tout cas, le carton, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais déchirer le carton sur le côté, sinon je vais abîmer la boîte. Et voilà. Est-ce que je peux vous diminuer un tout petit peu au niveau... Voilà. En fait, au plus je vous diminue au niveau de la taille et au moins vous avez le risque de tomber, mes gens. Donc, c'est une box puzzle. On va la découvrir ensemble. Donc, boîte en carton. Et on va regarder. Donc, là de ce côté, on a la marque qui... Alors, est-ce que... J'ai un peu l'impression que vous étiez en zoom. Oui, donc... Là, on a le nom de la marque. On a... Ça, c'est bien fait par contre, à l'arrière. Je trouve que c'est sympa. Bon, il n'y a rien d'autre ailleurs. On y est. Allez, on découvre ensemble. Et on voit ce que ça donne. Donc, chaque box contient un pulse de 1000 pièces. Une boisson. Enfin, une boisson à découvrir. Et soi-disant une playlist avec de la bonne musique à écouter pendant qu'on fait des pulls. On verra bien. Dans tous les cas, là, j'ai un dessous de verre, un dessous de tasse. Donc ça, c'est très bien quand on fait des pulls. On pose les trucs et ça, c'est... Voilà. Ça, c'est top. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a ? Infusion biovitalité, bruyère, monte-éteint, sans arôme ajouté, 100% plante, avec un emballage biodégradable, donc ça c'est pas mal. Et ben on va sentir ça tout de suite. Bon, nous découvrons. Alors, je ne suis pas forcément thé. Je vais être honnête là-dessus, je ne suis pas forcément thé, mais je peux découvrir
Donc, tous les cas, ça ne me dérange pas de découvrir. Donc, c'est des sachets. Voilà, c'est des petits sachets. En tout cas, ça sent super bon. Donc, je vais leur trouver un petit emplacement. C'est un peu dommage de faire une boîte biodégradable et d'avoir des sachets plastiques à l'intérieur. Et on va goûter, je vous dirai ce que j'en pense. Mais dans tous les cas, belle découverte. Il faut que je vois du coup comment. Je suis tellement café que thé que du coup. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Conseil de dégustation, 3 minutes, 80. À boire chaud ou frais. Consommer 4 tasses par jour pour une efficacité optimale dans le cadre d'une alimentation équilibrée, une mode de vie saine. La menthe poivrée et le thym contribuent aux défenses naturelles de l'organisme, aident à soutenir le système immunitaire. La bruyère est traditionnellement connue pour sa contribution à une élimination urinaire normale. Donc un sachet égale 3 tasses ou une petite théière. Donc ça, au moins, c'est sympa de savoir. Allez, on passe à autre chose. Donc, le dessous, le thé. Enfin, l'infusion, c'est pas du thé. Et on a le sachet est super, super solide. On va regarder ça. Ensemble. Alors, ouvrez-moi quand vous avez terminé le puzzle. Donc, forcément, je ne peux pas l'ouvrir pour l'instant. Je pourrais, mais je ne le ferai pas puisque, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a les pièces qui sont là. Oh, ils ont l'air d'être trop épais. Ah oui! Il y a plein de couleurs déjà. Je pense que je vais bien les claquer. Et ensuite, vous avez la gazette Piab. Alors, je crois que ça doit être celui-là, du coup, qu'on va avoir peut-être dans le prolongement du Pulse 2020. Internet, bientôt. Nouvelle idée, encore plus design. Je pense que ça doit peut-être avoir un. Voilà, vous avez du coup tout en l'histoire du Pulse. Des informations du coup qui seront à lire. Donc, je pense que ça doit être ça le Pulse. Au vu des couleurs, il y a du jaune, il y a du. Je vais m'éclater. Avec le Hollywood qu'il y a dans le haut qui est là, ça va être génial. Et vous avez même des jeux après. Alors, là. Et là, il y a des jeux. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Et après, donc forcément, pour donner la vie. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, et en scannant. En fait, c'est ça la playlist dont il parlait. En scannant le code barre, on arrive sur une playlist à mettre pendant qu'on fait le Pulse. Donc ça, je testerai. Je vous en dirai des nouvelles. Ah, j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de le commencer, mais j'ai un DP qui est en cours. Donc, je termine le DP et après, j'attaque. Mais dans tous les cas, c'est très bien emballé. J'ai vraiment... Même celui-là, il est très épais comme petit magazine. C'est vraiment... C'est pas de la feuille blanche normale. Donc, ça, c'est plutôt de bonne qualité et c'est super. Et là, il marque page 2. Oui, en fait, il marque. Il y a des témoignages et autres. Donc, très bien.
Oui, c'est avec plaisir que je vais prendre connaissance de la gazette Piab. Du reste, on va tester et puis on verra bien. Je vous donnerai mon ressenti quand je le ferai, mais je voulais vous faire découvrir. Donc, je vous mets en barre d'infos. Je vous le dis, c'est pas un partenariat. C'est vraiment un achat que j'ai fait. C'est une découverte que j'ai fait, que je trouve fort sympathique, puisqu'il y a déjà pas mal de box sur le marché. De tout, de rien, vous avez les box parfumerie, les box vernis à ongles, les box thé, les box café. Enfin, il existe une multitude de box. Et celle-là, ça m'avait fait craquer il y a 2 mois. Donc, je m'en suis souvenue du coup quand j'ai eu le mail, mais c'est une bonne surprise. Je suis agréablement surprise. Les pièces sont très épaisses. À mon avis, vous allez pas les plier facilement. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. On va faire la connaissance de ce puzzle de chez Piab, dont je ne connaissais pas du tout la marque. Donc c'est génial, c'est chouette. J'aime bien moi faire des découvertes comme ça et puis ça change un peu. Voilà, donc je pense que je vais peut-être continuer sur la prochaine box pour voir ce que ça donne. Donc ça sera au mois de juillet. Si jamais, donc je vous mets en barre d'infos le lien vers le site si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations. Actuellement, vous avez 3 formules d'abonnement. Soit la box, soit de manière semestrielle, donc pour 3 box, ou annuelle, donc pour 6 box. Et forcément, si vous prenez l'abonnement à l'année, le prix de la box revient à 28,50 € plus les frais de port. Si c'est celle semestrielle, donc pour 3 box, ça vous reviendra à 86,70 € pour au total, soit 28,90 € la box. Et si jamais vous la prenez à l'unité, donc c'est 29,90 € plus les frais de port. Donc on doit tourner aux alentours de 34 € et quelques, je crois que c'est ce que j'ai payé. Et voilà pour la découverte. Ben n'hésitez pas, si jamais vous souhaitez que je continue à vous faire découvrir cette box Apples, donc qui s'appelle ma Bozzle. Et puis si jamais vous souhaitez avoir le rendu, ben n'hésitez pas. Un petit tour dans la zone d'infos, en commentaire. Enfin bref, vous connaissez le chemin. Dans tous les cas, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo rapidement pour du DP. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bon visionnage au moment où vous regardez ça. Prenez soin de vous. Détendez-vous avec vos loisirs. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye, mes papillons. Gros bisous.